foutre tant que je crédit pour ma famille. Je suis pas crédible dans ton texte, mais je suis crédible pour ma famille. En plus d'oseille, je suis trop affamé. Tu veux me la faire à l'envers, dis pas aux gens que je suis ton ami. Rien à foutre tant que je crédit pour ma famille. Crédit pour ma famille, 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 crédit pour ma famille. Rappelle-moi combien tu nous as prêté poteau quand on avait R. Impossible de me bloquer comme si j'avais la PS. Je repense aux nuits blanches qu'on a passé avec mon gars ADR. Salut les mecs. Alors avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous dise, cette vidéo elle est sponsorisée par Raid Shadow Legends. C'est une application mobile, c'est un jeu mobile en fait. C'est un RPG. Et moi je suis à fond dedans depuis un petit moment là. En gros c'est une appli gratuite. C'est un jeu, il est vraiment super bien fait, les graphismes et tout, c'est ouf. Moi quand j'étais petit je jouais beaucoup à la Play, au RPG et tout. Et là je retrouve un peu cet univers de jeu, mais voilà, sur le téléphone, et franchement ça fait plaisir. C'est super bien fait. Si jamais l'application a été téléchargée 10 millions de fois, je crois, en 6 mois, il y a 300 000 avis qui sont presque tous parfaits sur le Play Store. Enfin voilà, c'est vraiment une super application, c'est super bien. Ce que j'aime bien moi, c'est que en gros, chacun peut créer son univers. Tu vois, tu peux créer un petit peu ton monde, tu peux créer ton personnage totalement. Enfin voilà, tu peux faire un peu ton truc, et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien aussi le côté, tu sais, tu peux affronter d'autres joueurs en direct. Par exemple, moi les gars, si vous voulez me trouver, mon nom c'est TCQR Mani. Genre TCQR comme TCQR, M-A-2-N-I. Donc si vous voulez venir m'affronter, pas de souci. En gros, là il y a un programme pour les nouveaux joueurs. Pour les nouveaux joueurs, tous les jours, pendant 90 jours, vous aurez des récompenses dans l'appli. Et là il y a une nouvelle fonction, parce que ça se développe très vite. C'est la Faction Wars. En gros, c'est des guerres de clans. Enfin voilà, c'est des trucs de clans. C'est une nouvelle fonction qui est apparue dans le jeu là, il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Le jeu, il est à télécharger en description de la vidéo. Vous pouvez la télécharger. Et sur ce lien, il y a 50 000 argent qui sont débloqués. Et un champion épique. Un champion épique que vous aurez... Dès le machin, enfin dès que vous cliquez sur le lien, vous aurez ça à 50 000 argent et un champion épique. Donc voilà les mecs. Tu vois, mon personnage préféré, moi, c'est le gros vert avec les cheveux rouges. Celui-là, c'est le meilleur, celui-là. Bref, je passe ma vie là-dessus depuis que j'ai été chargé. Donc les gars, surtout faites-vous un kiff, allez en description, il y a le lien du jeu. Vous pouvez le télécharger gratuitement, encore une fois, c'est totalement gratuit. Et voilà. Bon alors les gars, aujourd'hui on est venu chercher ce petit joujou. Parce que j'ai un pote qui m'a dit il cherchait un karting en deux temps, parce que bon, nous on avait des quatre temps, mais c'est un peu de la merde. Ça c'est un peu mieux, moteur deux temps avec embrayage, la batterie qui est là. Enfin bref, ça marche pas mal. Il m'a dit qu'il en avait besoin en urgence parce qu'il veut faire un peu le con vers chez lui. Et du coup il m'a lancé un défi, il m'a dit je te le prends soit tel prix dans l'état, soit plus cher si tu arrives à le démarrer. Et bien ce soir, du coup la mission c'est de le démarrer. Attends, je dirais qu'il y a quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'essence. Je viens d'en remettre. Ah! Ah oui. Oui, parce que comme moi je le stocke comme ça, ah bah ouais. Faut que j'ai du réservoir. En gros, ça c'est le système pour le démarrer ou l'arrêter. Là on voit que clairement il n'y a plus de batterie du tout, tu vois. Ah bah oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en brancher une autre pour voir déjà s'il tourne. C'est toi qui l'avais confectionné ou... Ah non, 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 non. Ok. Non, non, c'est un cart. Alors à la base, ça, dis-toi, c'est un cadet. Les catégories cadets, c'est... Alors, je vais pas dire de conneries, je me souviens plus. Mais en gros, c'est pas pour les adultes, quoi. Ah bah ouais. Normalement. C'est pour soit les enfants, soit les ados. Bon, je dirais plus que les ados quand même, parce que le châssis est grand. Hein. Mais tu vois, parce que le siège, il est tout fin et tout. Ok. Oui, Spain, qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié quelque chose? Des gants. Ah, ouais. Prends pas les miens parce que j'en ai besoin, hein, les miens. Ah, c'est lequel le tien? Je prends les miens, ça va.
Toutes les batteries, c'est du 12 volts Non, les batteries de camion, t'en as en 24 volts. Ok. Mais en général, tout ce qui est voiture, scooter, moto, enfin ouais, c'est tout du 12 volts en général. Je sais pas si ça va faire une mention là. Tout de suite. Ok. Donc, c'est bon. Déjà, le moteur n'est pas grippé. Bon, en même temps, c'est pas une grosse surprise. Hein. Il tournait très bien quand je l'ai stocké. En gros, tu vois, là, il y a une durite. Normalement, elle doit être remplie d'essence. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on crée une aspiration pour que l'essence puisse aller jusqu'au carbu. Donc, on va enlever le filtre à air. Ah, c'est un filtre à air, ça ? Ouais. Les filtres à air de karting, ils sont comme ça. Ils sont comme ça parce que... Alors, moi, je ne sais pas si c'est vrai. On m'a toujours dit... Celui-là, donc, il a l'embrayage et tout, tu vois. Mais t'en as... T'es obligé de les pousser pour les démarrer. Pour qu'ils soient, je pense, plus légers. Enfin voilà, les vrais trucs de compète. Avant, t'étais obligé de les pousser pour qu'ils démarrent. C'est à l'entraînement. Et en gros, quand tu voulais les arrêter, il fallait que tu mettes tes doigts dans les trous là pour le faire caler en gros. Ok. Après, je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien. Moi, on m'a dit ça. Je suis pas un expert karting du tout. S'il y a des experts, ils pourront nous dire dans les commentaires. Celui-là, tu penses que la pompe à essence, ça marche plus ? Ah bah c'est une dépression de toute façon. Donc techniquement elle doit fonctionner. Après c'est normal hein, que là ça fonctionne pas. Alors GG, ce que je vais faire c'est que je vais te laisser appuyer sur le bouton vert s'il te plaît. Vas-y. Tu la vois venir dans le tuyau, toi ? Ouais, bah là, je vois rien, mais là, j'en vois un petit peu. Donc, au pire, ce qu'on va faire, c'est pas grave. Je vais débrancher le tuyau, là. Et en gros, je vais venir l'aspirer depuis là. Ah ouais. S'il arrive, tu vois, directement. Je vais essayer d'aspirer un maximum. Oula. Bizarrement, il aspire. Et tu passes un ouvre le bouchon. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas trop envie d'aspirer avec ma bouche, tu vois. Tu veux essayer avec la tirette ? Attends. Tu le tues, il est bien dedans ? Ah bah en fait. Ah ouais, on pouvait toujours y aller quoi. On pouvait toujours. Ouais, il fallait plus que le plein quoi. Il y en a un qui a dû me piquer mon tuyau, là. Tu vois ? Je crois savoir qui est cette c'est. Personne, mais je ne citerai pas de nom. Ça commence par midi, ça finit par foule. Ah, mais... Je suis pas sûr de savoir qui c'est, mais je pense... Ah, je veux pas citer une petite idée, mais ça me semblait bizarre aussi qu'il vienne pas le truc. T'sais. Bon. On a trouvé pourquoi l'essence ne montait pas. Ah oui. Pourquoi il manque la durite dedans ? C'est un truc de mal, ça, putain. Ok. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me faut comme longueur, à peu près ? Je vais la recouper par là, je pense. Bon, bah là, peut-être que ça ira mieux directement. J'espère que ça ira mieux. T'aurais pu mettre plus d'essence. Ouais,
pas s'ils étaient pas partis avec le billet. Ah oui, c'est vrai. Je doute. Tu doutes ? Ouais, je crois qu'elle est là. Mais non. Bah sinon, regarde, c'est ce que tu fais ? Regarde, ressors tout, et passe par là. Je la mets là directement ? Bah ouais. Solution de test. Voilà, là, elle y est. Ah, on peut pas. Alors vas-y, GG, bonne idée ça, GG. Vas-y, appuie sur le bouton, on va essayer de le faire arriver. Eh, tu vois qu'il démarre ce machin, tu l'avais dit. Ah, il démarre au quart de tour, hein. Bah oui. Donc voilà. Mais pourquoi il roule tout seul ? Bah là, c'est normal, il doit y avoir un espèce de starter ou un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, je pense. Et il avance beaucoup plus que les anciens qu'on avait. En fait, si tu veux, celui-là, il va pas partir super vite. Par contre, une fois qu'il est lancé, c'est un truc de fou. Hein. Tu prends 100, 120 km/h avec un truc comme ça. Ok. Et 120 km/h quand ton cul il a ça du sol, c'est très impressionnant. Hein, ouais, ouais. Ça fait vraiment flipper. Ah. Oh putain, j'ai grossi. Bon alors attends. T'es de l'autre côté. Ça y est, il est arrivé, mon pote. Salut. Il va l'embarquer, le machin. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est un beau bébé. Tu l'as essayé ou pas encore ? On y va. On va s'amuser ? On fait quoi ? On fait un petit test routier ou pas ? Bah vas-y, hein, faut que tu l'essayes. Hein. C'était la condition de l'achat. Voilà. Putain, c'est de gros. Bah alors Dave, t'essayes de vendre de la camelote ? Ça marche pas ? Mais si, il va y aller. Regarde. Ah ouais, il avait peut-être. Ah, c'est parce que t'avais pas ouvert ça. L'essence. T'as joué avec le bord. Ouais, comme. C'est bon ça. Non, non, c'est... en vrai, c'est Cobb qui l'a touché. Cobb, t'as touché. Cobb, t'as regardé le machin ? Ouais. Parce que Cobb, des fois, ça suffit, hein. Il regarde juste le truc et hop. Et hop, il est mort dans le film après le truc. Alors, chef ? Il prend pas les tours. Il prend pas les tours ? Non. Bizarre. Il prend pas du tout les tours ? Dégueu. Peut-être la prise d'air hein, qui fait chier. Ouais. Où tu l'as roulé, toi ? Bah, tout à l'heure, mais je suis allé jusque la flaque d'eau et je suis revenu. Vrai ou pas, GG ? C'est vrai, image à l'appui. A few moments later. Ah, là, si tu me dis que là il prend pas les tours, il y a un problème. Ah, c'est bon, il prend. C'est bon. Ah. Un peu plus, il me faisait passer pour un guignol. Ça marche, hein. Il y a l'œil tout tremblant. Il pleure. Ah ouais, ça marche à ce point-là, du coup. Ah, mais je te dis, une fois que ça part, ça part. Moi, je trouve une transmission un peu plus longue. Ouais. Mais moi, je l'ai jamais touché, je l'ai vu comme ça. Hein. Ça à savoir, bien. C'est un cadet, ça. Hein. Ouais. C'est pour ça que je pense que le siège, il est... Mais je pense que si tu triches peut-être un peu
Le pignon sortie moteur, il est déjà tout petit, mais peut-être mettre une couronne un peu plus grosse. Ouais. Ouais, faut essayer de tricher un peu, peut-être. Peut-être quoi bricoler, quoi. Putain, j'ai cliqué. Il fait frotter la bavette. Ouais. Ah, t'es trop drôle. Merci. Bon alors, tu le prends ou tu le prends pas, ce truc ? Mais oui, on le prend. Sinon, comme il le prend, il m'a dit. Hein. C'est vendu, c'est vendu. Impec. Affaire conclue. On va faire une autre marche arrière ? Non, qui sous... Bah non, justement, ce sera plus facile. Celui qui va à l'avant, il rentre. Ouais. Et puis après... Non ? Allez, Cob, au boulot. Vas-y, Cob, prends l'arrière avec moi. Vas-y. C'est vraiment au millimètre. Hein. Ah, au moins ils sont pas, j'ai pas de sang. Là il bougera pas là. Attends, un peu. Regarde. Putain. On dirait que c'était fait pour. Non mais. Comme c'est bon. Bah voilà, c'est bon. Ah, ah oui, il veut pas. Il veut pas partir. Bon bah nickel. Super. Tu vois GG, bientôt on va faire une vidéo avec une caisse comme ça. Ah ouais. Un caddie comme ça. Une caisse que tu construis comme ça ou que tu achètes comme ça ? Peut-être bien. Je veux pas trop en dire, mais peut-être. Justement, il y a un Touareg, ce serait pas le. Ah, mais regarde, j'ai des tests d'équipe. 3, 2, 1, raclerie. Là, tu prends, tu coupes. Ouais. Parce que là. Ouais. Viens là, toute cette partie-là. Ouais. Ok, ouais, ouais. Tu fais juste un peu de soudure ici. Ah, ouais, pour souder la porte. Et voilà. Ok. Une bombe blanche. Puis... Allez, va. Bon, bah, nickel. Yes. Affaire conclue, affaire vendue. Mon équipe a du potentiel, on a rien à perdre alors autant le faire. Faut passer de la petite équipe à la grosse enseigne. Photo mon équipe a du potentiel, potentiel. Mon équipe a le potentiel,